Salut Alain. Bonjour. Le coach Manu Abreu. Salut Manu. Bonjour à tous. Bonjour Alain, bienvenue. Bonjour Merci. Donc, il y Pépi. a le coach Imed Ama qui va pas tarder. Il va prendre une amende déjà, il va mettre dans la caisse. Enfin, il arrive en retard. Et donc, comme invité d'honneur, donc on aura l'occasion de recevoir donc Alain Pochat. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Donc, merci déjà de répondre présent à l'invitation. Encore une fois, je remercie les téléspectateurs qui regardent l'émission, car on est de plus en plus nombreux. Là, l'émission d'hier, par exemple, avec Fabien Pujol, on va atteindre pratiquement les 10 000 vues en l'espace d'un jour. Donc, ça devient vraiment énorme, on peut dire ça. Donc, c'est super intéressant. Donc, ça montre que les sujets vous plaisent et que bah, c'est intéressant et qu'il faut continuer. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à diffuser et à partager l'émission à vos amis et à poser des questions. On les transmettra à Alain pour qu'il y réponde. On prendra le temps à un moment donné de lui en poser. Donc là, nous allons ben, justement passer à toi, Alain. Tu vas ben, si tu peux te présenter ton parcours de joueur et puis comment tu as débuté entraîneur et où tu en es, la carrière. Vas-y, tu peux déballer. Oui, bon, ben, en fait, moi j'ai eu un parcours en tant que joueur qui a été très très modeste hein, au niveau amateur. J'ai joué en DH, que ce soit sur Bayonne, et puis après, quand j'ai été étudiant, puisque j'étais étudiant à l'époque, ça s'appelait l'UREPS, maintenant c'est STAPS, mais voilà, j'étais étudiant à Bordeaux, donc j'ai joué dans deux clubs à Bordeaux, aussi le Racing Club de Bordeaux et l'AS Ambarès. Puis après, je suis revenu. Après mes études, jouer à l'Aviron Bayonnais. Et c'est là qu'après, j'ai commencé aussi à entraîner les jeunes, aux Croisés de Bayonne aussi auparavant. Donc voilà, en étant étudiant à l'UREPS, ben voilà, il y avait cette fibre un peu d'éducateur qui est venue s'inscrire aussi au niveau du football. Et puis après, j'ai eu une grave blessure au genou. Et du coup, ben, je me suis vraiment lancé dans, voilà, dans le. Être éducateur de foot. Et voilà, j'ai commencé avec des minimes à l'époque. Et voilà, ça s'appelait les minimes. Après, j'ai eu les U17 à l'Aviron Bayonnais, avec les U17 nationaux. Ensuite, j'ai pris l'équipe réserve qui était en DHR à l'Aviron Bayonnais. Donc, on est monté ensuite c'était, pardon, en PHR et on est monté en DHR avec la réserve. Et à l'Aviron Bayonnais est arrivé l'ancien professionnel Christian Saramagna, donc qui a un peu révolutionné le club parce que le club avait des ambitions, voilà, de grandir, même si c'était au milieu d'une terre de rugby où c'est jamais facile d'imposer le football. Mais voilà, on est donc la première année, lui, il est arrivé en DH, il n'est pas monté la première année. Et la deuxième année, moi, on m'a demandé d'être adjoint avec lui pour m'occuper des séances, voilà, de la prépa athlétique, parce que j'avais passé aussi un diplôme de préparateur athlétique à la Fédé. Et puis du coup, on a eu vraiment une ascension assez fulgurante, puisqu'on est passé de la DH après au national en montant tous les ans, CFA 2, CFA et national. Et donc, voilà, je suis resté adjoint jusqu'à la deuxième année de national. Et en cours de saison, voilà, j'ai basculé sur les 19 ans nationaux de l'Aviron pour finir la saison parce que on avait quelques peut-être divergences de vues à un moment donné par rapport au fait que il y avait, on va dire, une méthode un peu à l'ancienne où il fallait faire du marquage individuel sur tout le terrain. Voilà, on travaillait pas forcément, voilà, le projet de jeu de l'équipe. On s'adaptait souvent par rapport à l'adversaire. On pouvait changer les profils de joueurs. Et donc, bon, je m'y retrouvais plus trop. Et donc, j'avais demandé à rebasculer au niveau des 19 ans nationaux. Malheureusement, cette année-là, ben, l'équipe est redescendue. Il y a eu un gros déficit au niveau du club, au niveau financier. On était à deux doigts de déposer le bilan. La mairie a remis la main à la poche un petit peu, plus le président à l'époque, Manu Mérin. On renflouait un peu les caisses et du coup, on est reparti. On m'a demandé de reprendre l'équipe en CFA à l'Aviron Bayonnais. Donc, la première année, on est reparti vraiment. C'était très, très ric-et-rac avec des joueurs locaux qui travaillaient. J'avais des plombiers, j'avais des électriciens, j'avais des comptables. Donc, c'était pas simple. On s'entraînait le soir. Ben, voilà, c'était vraiment très, très amateur. On prenait les minibus. On allait au Mans en minibus. On n'avait pas peur de faire des kilomètres.
Et donc, la première année, on a fini seconde derrière Rodez. C'était Franck Rizzetto qui est passé sur vos antennes, qui était coach à l'époque à Rodez et qui était monté en national. Et on avait eu la chance de faire, malgré tout, un 32e de finale voilà, qui était intéressant contre l'Olympique Lyonnais de Gérard Rouillet qui avait battu le Real Madrid 3-0. Et c'était au stade Jean Daugé qui était devant 15 000 personnes. Voilà, c'était un beau souvenir parce que ce week-end-là, il y avait le champion de France, le Stade français qui avait joué le samedi contre l'Aviron Bayonnais Rugby en top 14. Et puis le lendemain, le dimanche, sur le même terrain. Donc ça nous arrangeait un peu parce que le terrain était pas très bon pour jouer. D'ailleurs, il y a eu un reportage là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, l'Olympique Lyonnais. Et donc, après la deuxième année en CFA, on a eu le bonheur de monter dans la poule parisienne avec Sainte-Geneviève-des-Bois, Poissy, voilà, il y avait le PSG. Et on avait réussi à monter en national. Donc, voilà. Et puis derrière, on a fait 4 saisons en national avec des moyens très, très limités. À l'époque, voilà, on se déplaçait en bus. On faisait des 12 heures de bus pour aller à Besançon, à Cherbourg, à Évian. C'était pas simple. Et malgré tout, bon, voilà, c'était une belle expérience parce qu'il fallait vraiment tout faire de A à Z. En parallèle, ben, j'étais quand même responsable technique du club. Donc, il y avait un double projet. Il y avait bien sûr les seniors, mais il y avait aussi la formation. Cette année-là, on avait réussi à faire monter l'équipe réserve en CFA 2. On avait fait coup double, CFA 2, National 1. On avait fait monter les 17 ans nationaux, les 19 ans nationaux. Donc, il y avait vraiment voilà, un club qui repartait du bon pied. Et puis après 13 années voilà, et de bons et loyaux services, c'est vrai que j'étais un peu usé et j'avais décidé de prendre une année sabbatique parce que j'avais la chance d'être détaché par la mairie de Bayonne pendant toutes ces années parce que j'étais éducateur sportif et du coup, je suis reparti une année voilà, à m'occuper des jeunes dans les écoles primaires et dans les collèges en tant qu'éducateur sportif à la mairie. Et puis, suite à ça, j'ai eu voilà, une opportunité qui s'est présentée. On l'a saisie avec ma famille, on a réfléchi. On est allé un an au Maroc pour gérer une académie au Maroc. Et c'était une belle expérience de vie voilà, avec toute la famille, vivre dans un autre pays, notre culture, notre football où voilà, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Ce n'est pas toujours simple parce qu'il y a un manque d'infrastructures, il y a… Voilà, c'est pas simple, mais c'était vraiment une belle expérience. Et à ce moment-là aussi, j'avais été en contact déjà l'année que j'avais faite au niveau de mon année sabbatique. Je supervisais les matchs dans la région du Sud-Ouest pour Boulogne-sur-Mer, parce que je connaissais bien John William, qui est bon, maintenant qui est un peu plus connu qu'à l'époque, peut-être, parce qu'à l'époque, il venait d'arriver de l'Angleterre et il avait commencé un projet avec Boulogne-sur-Mer. Et comme il habitait dans la région du Pays Basque, bon, on s'était côtoyés. On s'était déjà, moi, j'avais vu son frère aussi qui était venu jouer sur Bayonne. Et du coup, on avait gardé une relation. Il m'avait demandé de superviser des matchs dans le Grand Sud-Ouest pour lui proposer des joueurs. Et suite à cette année au Maroc, et ben après, il m'a demandé si je pouvais, si ça m'intéressait de venir adjoint à Boulogne de Stéphane Lemignan. Commencer un projet avec Boulogne-sur-Mer. Et du coup, je suis arrivé à Boulogne et voilà, c'était un changement radical déjà au niveau du climat. Je suis passé du Maroc à Boulogne-sur-Mer au mois d'août avec une sacrée différence de température. Mais voilà, je tombais dans un club quand même, contrairement peut-être à Bayonne qui était à la base vraiment un club purement amateur. Là, je tombais dans un club qui était passé par la Ligue 2, la Ligue 1, qui avait été professionnel avec de très belles infrastructures. Un coach vraiment aussi qui avait déjà eu un passé de ce statut professionnel, qui était passé par Vannes, qui m'a beaucoup appris sur le plan du jeu, sur la connexion entre les joueurs. Voilà, on a mis des choses en place. On a fait une première saison très intéressante où on a joué les premiers rôles quasiment toute la saison. On a fait un quart de finale contre Saint-Étienne. Ça nous a peut-être un peu fait lâcher des plumes pour le championnat. C'est regrettable parce qu'on avait vraiment, je pense, une très, très bonne équipe à cette époque-là. Et la deuxième année était un peu plus compliquée. On a perdu beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs qui sont partis en Ligue 1 en Belgique. Voilà, le club était aussi financièrement un peu ric-et-rac malgré tout. Et donc, il a fallu repartir avec des joueurs du niveau en dessous. On a fait beaucoup de paris sur des contrats amateurs de jeunes joueurs.
et c'était un peu plus compliqué. Et malheureusement, les résultats n'étant pas forcément à la hauteur des espérances des dirigeants, Stéphane a été remercié. Moi, j'étais sous contrat, il me restait, puisque j'avais re-signé un contrat, ils m'ont demandé de finir la saison. Et derrière, j'ai enchaîné la saison suivante à Boulogne. On était premier à la trêve, mais on était aussi avec beaucoup de jeunes joueurs amateurs. Ce qui est valorisant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont réussi à rebondir dans le monde professionnel. Je pense à Tony Mauricio qui vient d'être à Lens. Il y a Antoine Léauté à l'époque qui n'avait pas été gardé à Caen, qui est à Niort, qui va, je crois, signer au Portugal. Bon, il y a pas mal de joueurs qui ont rebasculé dans le monde pro. Il y a Teddy Thomas maintenant qui est en Belgique aussi, qui est professionnel. Donc, on avait de bons jeunes qui ont après, du coup, montré qu'ils avaient des qualités pour aller au-dessus. Et après cette expérience de 3 années à Boulogne, j'avais en parallèle, encore une fois, mené un projet aussi au niveau de la formation. Et parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé, j'étais adjoint, mais on m'avait demandé de mettre en place des choses au niveau de la formation à Boulogne. Et au bout de 3 saisons, on a eu quelques divergences avec le président sur la façon de fonctionner. Voilà, donc moi, il me restait 2 ans de contrat, mais j'ai préféré arrêter. Et j'ai eu l'opportunité d'aller à Villefranche, de redescendre en N2 parce que je n'avais pas le choix. Parce qu'au niveau du diplôme, du coup, je ne pouvais plus entraîner en N1. Et donc, je suis arrivé à Villefranche et j'ai fait première année en N2. Et donc, on est monté en N1. On a fait ensuite un 8e de finale au Parc OL devant 23 000 personnes la saison dernière. C'était vraiment une belle fête pour tout le club, la ville, parce que c'était au Parc OL, encore une fois. C'était vraiment une ambiance magnifique. Et puis, on a fait un maintien pour la première année qui était, et qu'il a fallu bagarrer jusqu'au bout, mais on avait pour un promu. Et puis, cette année, on est reparti à nouveau en national. Et à la surprise un peu générale, on a joué un peu les premiers rôles avec Dunkerque et Pau, qui n'étaient pas forcément les plus gros budgets et qui n'étaient pas attendus à ce niveau-là. Et puis, tant mieux pour Pau et Dunkerque, ils ont même réussi à accéder à la Ligue 2. Donc voilà, et là aussi un projet avec en même temps la formation. Donc voilà un peu le parcours que j'ai pu avoir durant toutes ces années. Bonjour à tous, hein, désolé du retard. Bonjour Imed. Bonjour Imed. Bonjour. Salut Imed. T'oublies pas. Non, donc Alain, par rapport à ce que tu racontes au niveau de ton parcours, c'est clair qu'il y a un truc qui revient assez souvent, c'est quand tu reprends l'équipe qui vient de soit le club a pris une claque par l'aspect financier et le club doit se reconstruire, ou quand tu arrives à ton dernier club, donc pareil, tu dois reconstruire aussi avec une équipe de jeunes, souvent amateurs comme à Bayonne. Dès qu'il y a un projet un peu qui démarre sur une construction avec des joueurs plus peut-être impliqués du fait de leur statut amateur, peut-être où ils n'ont pas cette notion de peut-être contrat, d'obligation, de déception ou autre. J'ai l'impression que tes premières années dans un mode de reconstruction fonctionnent de suite. Je sais pas, Bayonne, c'est le cas. Et là, c'est le cas, les parcours de suite. Donc, est-ce que tu es un homme plutôt de construction, de projet, un homme, un bâtisseur ou quelqu'un qui... coach d'une équipe une, qui peut prendre même en milieu de saison une équipe en catastrophe et la remettre sur pied, mais que l'équipe première, je parle. Donc là, tu as deux cas. Soit est-ce que tu es un constructeur bâtisseur dans un club ou tu es un coach qui vient pour une équipe une, quoi, pour sauver une équipe une, quoi. Non, disons que moi, c'était plutôt au départ à Bayonne. Le fait que ça soit ma région et que j'ai été joueur, j'ai démarré là, puis je me suis inscrit dans le projet du club en passant les étapes, en passant mes diplômes. Et puis petit à petit, j'ai eu la chance quelque part qu'on me donne l'opportunité de coacher aussi l'équipe 1 tout en connaissant bien les rouages du club parce que j'étais passé dans les différentes équipes. Après, je suis passé dans des clubs où j'ai eu la chance aussi de m'inscrire quand même sur, un moyen terme parce que dans le foot, c'est jamais... très compliqué de durer, mais en tout cas, j'ai fait 3 ans à Boulogne. Là, j'attaque ma 4e année à Villefranche. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir un projet, de se sentir un peu libre de faire des choix sur
le projet sportif, sur installer des choses, que ce soit au niveau, bien sûr, des choix de joueurs pour l'équipe 1, mais aussi au niveau de la formation. Est-ce qu'on met une ligne directrice dans le club? Est-ce que, voilà, comment on veut travailler ensemble? C'est un peu tout ça qui, moi, je pense que je suis, à la base, ça ne me dérangerait pas, même à l'heure actuelle. S'il fallait s'occuper que des jeunes, ça ne me dérangerait pas, franchement. Bon, bien sûr que d'entraîner en senior, c'est valorisant, c'est intéressant parce qu'il y a l'aspect compétition. Mais j'ai toujours aimé m'occuper de la formation, mettre des choses en place sur un projet de jeu, sur la qualité de la formation, sur la qualité des éducateurs, voilà, et m'inscrire sur la durée. Après, on sait que, notamment en senior, on est aussi tributaire des résultats et c'est ce qui fait aussi la possibilité de durer ou pas, quoi. Quand les présidents te prennent dans le club, ils en parlent de ça? Est-ce qu'ils te prennent aussi parce que tu peux les aider à structurer le club, le projet? Après, moi, c'est dans la présentation quand je suis venu pour présenter mon projet, entre guillemets, de club. J'aime bien lier les deux. Voilà. Après, est-ce qu'ils prennent que la partie senior parce qu'ils sont... Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est de se dire, voilà, parce que par exemple, un club comme Villefranche, c'est un club amateur, c'est un club vraiment qui se construit petit à petit, qui a envie de grandir. Mais je pense que pour moi, c'est lié. On ne peut pas axer tout sur l'équipe 1, sur un club comme Villefranche. Il faut qu'il y ait quand même un socle, des fondations au niveau des jeunes, au niveau de la structuration du club. Si on met tout le paquet sur l'équipe 1, à un moment donné, c'est tellement fragile que le club peut s'effondrer, quoi. Donc, après Boulogne, c'était un peu différent parce qu'ils avaient quand même deux structures différentes. Il y avait la SASP d'un côté, où il y avait un peu ce sentiment d'ailleurs d'être un peu deux mondes différents, avec la Tour d'Ivoire inaccessible d'un côté, la SASP où c'était bien partagé. Il y avait un centre d'entraînement pour les pros, il y avait le centre d'entraînement pour l'association. Moi, j'ai essayé justement un peu de rapprocher les deux mondes parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de communication à ce niveau-là et que c'est important qu'on se sente un club et pas deux structures ou deux entités complètement différentes et qui ne communiquent pas trop. Donc là, c'était un peu là-dessus où j'ai essayé, pendant les 3 années où j'étais, de faire des réunions techniques dans le centre des pros, que les jeunes puissent venir de temps en temps à la salle de musculation des pros, de créer des échanges pour fédérer à l'image du club, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que le club étant en difficulté aussi financièrement, je pense qu'on avait intérêt parce qu'il y avait quand même une N3, il y avait des 19 ans nationaux, il y a des 17 nationaux. Il y a la possibilité d'amener des jeunes. Voilà. Et quand je vois, par exemple, Aurélien Schedler, là, qui était à Orléans, qui vient de signer à Dijon, c'est un jeune qui sortait du club qu'on a amené, moi, que j'ai amené en équipe 1. Et c'était dans ces idées-là d'amener des jeunes qui pouvaient, pourquoi pas, après, à me gagner du temps de jeu en équipe 1 et se projeter pour l'avenir en équipe Fagnon, parce que c'était aussi donner un bon message pour les jeunes du club qu'il y avait des passerelles et qu'on pouvait grandir aussi dans le club et qu'on n'était pas forcément obligé d'aller chercher tout le temps des joueurs à l'extérieur et qu'il y avait matière à prendre des joueurs du club. En plus, il y a un bassin de population qui est pas mal en termes de talent. Oui, en plus, c'est vraiment une région où il y a vraiment un vivier énorme. Quand on regarde, moi, je suis arrivé, j'arrivais du Pays Basque où il y a une effervescence au niveau du rugby, mais au niveau du foot, l'Aquitaine, c'est quand même assez pauvre, entre guillemets, malgré que la région, elle est immense. Le côté basque, il y a quand même de bons petits clubs. Quand même. Densité. Ouais, mais quand on arrive, par exemple, moi, je côtoie deux régions différentes depuis, que ce soit les Hauts-de-France et... Oui. Ronald, c'est énormissime en termes de public, de potentiel, même le niveau des clubs. Moi, je suis arrivé au Tour de France, on pouvait voir de la Ligue 1, de la Ligue 2, du National, de la N3, de la N2. Par rapport à ça, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Il y a un niveau de compétition, il y a des jeunes vraiment intéressants dans toute la région, parce que là, maintenant, ça va même d'Amiens jusqu'à Lille. Donc, forcément, il y a des potentiels. Manu, terre de foot. Je disais juste que cette région-là, c'est une terre de foot. Alain l'a
l'a souligné à juste titre. Et il y a beaucoup de clubs dans des niveaux différents. Et forcément, c'est toujours intéressant à la fois pour les coachs, mais aussi pour les jeunes. Alain parlait des jeunes. Et je pense qu'il a raison. Les jeunes, à un moment donné, il faut les intéresser aussi. Et le fait qu'il ait voulu rapprocher les deux entités du club, ça ne surprend pas par rapport à son profil qu'on a évoqué tout à l'heure. Ouais, mais si tu regardes, tu vois le cas de... Ben, tu vas nous le donner la réponse, mais à Boulogne, est-ce que justement le projet club était bien là aussi d'utiliser au maximum les générations de jeunes qu'il y avait dessous? Est-ce qu'il y avait vraiment, comme tu veux le faire à Villefranche, est-ce qu'il y avait... un rapport entre les deux entités, l'entreprise et l'associatif? Est-ce qu'il y avait vraiment cette fusion ou pas du tout? Parce que pour être honnête, voilà, il y avait vraiment le fait d'être passé en Ligue 1, Ligue 2 et puis de vouloir remonter tout de suite en Ligue 2. Et je pense qu'il y a eu peut-être une précipitation qui a fait qu'on a mis beaucoup d'investissements sur l'équipe 1 pour qu'elle remonte et qu'elle reconnaisse le monde pro, parce que bien sûr il y a des intérêts et des enjeux financiers forts. On sait très bien qu'un national pourrait exister et durer, c'est compliqué, parce que dès qu'on perd le statut pro ou que voilà, on n'a plus d'aide, c'est très compliqué. Donc je pense qu'ils ont voulu mettre le paquet tout de suite pour remonter, en oubliant peut-être, en délaissant un peu peut-être le côté formation. Et au fil des années, quand on perd le statut pro et qu'on s'aperçoit qu'après, on n'a plus les mêmes moyens, c'est plus compliqué. Donc, c'est là que c'est important. Moi, c'est pour ça que le socle et les fondations d'un club, quand il y a en plus dans un vivier comme les Hauts-de-France et l'image qu'avait Boulogne, qui est quand même un gros club dans la région de Nord-Pas-de-Calais, c'était de dire il y a matière à attirer les meilleurs jeunes du coin, de les amener en équipe première. Et quand on n'a plus les mêmes moyens que quand on est en Ligue 2, c'est un moyen d'amener de bons jeunes en équipe première. Quoi. Oui, de toute façon, pour encore une fois, Imed, Seb, Manu, on en a parlé sur d'autres émissions. On a abordé le sujet projet club et on s'aperçoit que sur la durée, encore plus aujourd'hui avec ce qui arrive, on s'aperçoit que les projets qui ont été basés sur la notion de club, c'est-à-dire formation, donner envie, comme tu le dis, aux joueurs de perdurer dans le même club parce qu'ils savent que la porte est ouverte et qu'on leur fait confiance, qu'il y a l'entraîneur de la A, comme tu le dis, toi en plus, l'entraîneur de la A participe à aller voir les équipes en dessous ou dans les réunions, tu es présent. Ce qui souvent, dans des clubs qui sont trop projet équipe A, l'entraîneur de la A fait que de la A, quoi. Il ne va même pas voir... Et souvent, les entraîneurs sont un peu déçus. Et c'est pour ça qu'on a lancé un peu cette émission. C'est que les entraîneurs amateurs et ceux qui sont en dessous sont souvent déçus de ne pas pouvoir avoir un peu ce ressenti de qu'est-ce qui se passe au-dessus. Quoi. Le coach, il n'est pas comme nous. Il est dans un autre monde. Il est dans le même monde. Sauf que des fois, on oublie un peu le projet club et qui permet de durer. Le cas de Bayonne. Bayonne, après, il y avait des contextes financiers et autres. Mais là, le cas de Villefranche, on voit bien que quand tu structures, ça peut prendre. Après, le plus dur, c'est de durer, c'est comme tout. C'est mon président. Est-ce que l'association, d'ailleurs, de tes présidents a souvent été une association, les mêmes idées, mêmes projets? Est-ce que les deux personnes... Après, c'est toujours compliqué. On a l'impression que peut-être... Après, il y a une exigence, forcément, quand on est entraîneur aussi, de garder le cap, de toujours essayer de structurer. Et par moment, peut-être que le président, il peut être en désaccord ou il peut se lasser. Ou alors, il a peur que l'entraîneur prenne trop de pouvoir. Et là, il se dit, il commence à me casser les pieds. On oublie ce qui a été fait les années précédentes. Et on se dit, on a fait le tour de la question. On va peut-être changer parce que j'en ai marre un petit peu de... qu'il soit casse-pieds, l'exigence du niveau. Après, je pense que quand même, les nouvelles donnes de la Fédé avec les labels élites a aidé à structurer les clubs et à imposer notamment des niveaux de diplôme. Ça aide aussi à faire comprendre, je pense que, de miser aussi sur la formation, parce que pour avoir les aides de la Fédé, il fallait avoir aussi structuré son club au niveau de la formation. Ils imposent des choses qui, je pense, font réfléchir et obligent les présidents peut-être
à se dire, tiens, c'est peut-être mieux si j'ai un responsable technique de club qui est avec l'équipe 1, qui peut aussi chapeauter un peu, mais on ne peut pas tout faire, mais au moins donner quelques directives, mettre des responsables de pôle avec des gens compétents, et ça met une trame dans le club qui, avec une cohérence quoi, au niveau du travail, au niveau voilà, d'un projet club. Après, c'est encore une fois, jusqu'à quel point le président il suit son coach, est-ce que les résultats sont bons, est-ce qu'ils ne sont pas bons, est-ce que voilà, c'est... Ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est une question aussi de personnalité par rapport au fait que de personnalité, d'humilité, j'allais dire, c'est quand on s'intéresse à ce qui se passe en dessous, c'est pas qu'une question de projet, c'est une question aussi comment nous on est, comment on perçoit déjà le travail en dessous et comment on est déjà de par sa personnalité. Il y a des clubs, moi, où je suis passé, où l'entraîneur de l'équipe première était complètement fermé à ce qui se passait en dessous. Et pourtant, Dieu sait qu'on avait une grosse structure avec 15 ans DH, 17 ans nationaux, 19 ans nationaux. Donc, au-delà du projet, et on sait très bien que les présidents, malheureusement, dans la majorité, c'est tout est pour l'équipe première. Donc, moi, je pense qu'Alain parlait tout à l'heure de mettre des pôles, des responsables de pôle. Et on doit donner la possibilité à l'entraîneur de l'équipe première de choisir aussi avec qui il va travailler. Ouais. Bon. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, si je peux me permettre, je pense aussi, et je reviens à ce que disait Med à l'instant, c'est que ça dépend de l'envie du coach principal de partager avec ses collègues, de s'enrichir aussi auprès de ses collègues et de décloisonner un petit peu cette équipe première à quelques niveaux que ce soit d'ailleurs. Hein. C'est valable en R1 aussi. Hein. Si le coach de la R1, il reste dans sa bulle, il reste dans son cadre, il va forcément à moyen terme se couper du reste du club et il faut qu'il ait envie, en tout cas je le ressens comme ça, je pense qu'Alain doit le ressentir comme ça aussi, même si c'est à un autre niveau, il faut avoir envie de partager ne serait-ce qu'avec l'éducateur des U11, des U10, c'est un petit peu la phrase que j'utilise souvent, pas une équipe mais un club, pas une équipe mais un club. Ouais, mais Alain, tout à l'heure, hors antenne, on a discuté. C'est vrai que je ne suis pas toujours à aborder le sujet coach adjoint, mais c'est vrai qu'Alain a souvent impliqué dans les clubs où tu as été et que tu as commencé à mettre en place ton projet club. Un bon exemple, c'est qu'Alain, il a de suite mis en place le logiciel de coach adjoint pour fédérer, en fait, dans ce principe-là. C'était lui, il arrivait, et en plus, assez rare, c'est qu'en tant qu'entraîneur de l'équipe 1, qui met en place en plus le projet club, qui est prêt à aller s'investir dans les réunions et fédérer les entraîneurs, il a été celui qui créait le compte en fait et il dispatchait les accès à chacun. Donc tu sentais qu'il n'arrivait pas en disant je fais le projet, il dit je le fais, et puis après tu ne le vois plus, il fait son équipe première, on n'en parle plus. Il est vraiment impliqué dans ce qu'il fait. Je vois bien, moi je le suis, et quand il fait quelque chose, il le fait quoi. Quand il dit je prends le projet club, il le prend. Et je pense que tu vas nous le dire, mais quand tu impliques le cas du logiciel dans un club, tu ne fais pas tout, tu le mets en place, après tu essaies de donner tu mets des gens en place qui t'aident à le structurer pour justement qu'il y ait ce raisonnement club, quoi. Les joueurs qui montent de catégorie en catégorie, les surveiller, faire des bilans d'observation, c'est ça où tu veux être gagnant. C'est déjà de responsabiliser ses éducateurs avec le logiciel. En plus, oui, en plus. Alain. Bon, pour avoir connu Marcel Calongi que tu as eu à Boulogne, c'est l'exemple, il me disait le coach, oui, on a ça, on a coach adjoint, tout est bien carré, on s'y tient tout le temps. Quoi. Voilà. Donc c'est aussi la part de l'entraîneur de l'équipe 1 de responsabiliser ses éducateurs. Voilà. Toi Alain, quand tu arrives, tu prends cet esprit-là, tu arrives dans un... En fait, c'est toi, pour toi, un club, c'est ok, c'est associatif avec l'équipe A qui est des fois en entreprise, c'est quand même des rendus, c'est-à-dire c'est une entreprise quelque part. Oui, mais c'est aussi des connexions, parce que je pense que encore une fois, on doit pas s'isoler, quoi. Je veux dire, plus le club a une entité forte, commune. Moi, je dis souvent aux éducateurs, voilà, il y a, on parle de la famille des arbitres qui est très solidaire, qui se serre les coudes, qui est tout le temps entre guillemets forte ensemble et ils se défendent les uns les autres. Mais je pense que dans un club, il doit y avoir ça au niveau des éducateurs. C'est une famille et on doit avoir des connexions. On travaille pour le club, et il doit y avoir des passerelles entre chaque catégorie.
Donc là, d'avoir des responsabilités, moi, c'est vrai qu'on a eu la chance de se connaître parce qu'on était de la même région et que du coup, oui. J'ai appris à connaître coach adjoint comme ça. Je l'ai mis en place à Bayonne. Tout de suite, je suis arrivé à Boulogne, je l'ai mis en place. Pareil à Villefranche parce que je trouve que c'est un outil qui oblige à avoir au moins un intérêt commun, à suivre voilà, sa catégorie, à avoir des données, à échanger. Moi, il y a un responsable voilà, de pôle, mais aussi le responsable de pôle, il peut avoir accès à l'équipe en dessous et l'équipe au-dessus. Voilà, c'est... Et puis, c'est comment on identifie ben, les besoins dans le club au niveau des postes, au niveau des profils de joueurs. Tiens, quels sont les manques, dans quel système? Voilà, comment on travaille? Tiens, ce système-là, est-ce que ça a été bien de le mettre en place sur telle ou telle catégorie? Mais du coup, peut-être que ça serait bien d'en utiliser un autre. Mais voilà, que chacun ait sa personnalité, bien sûr, d'éducateur. Mais je trouve que, voilà, il doit y avoir vraiment, c'est vraiment, vraiment enrichissant de, voilà, d'échanger avec l'éducateur des U10, des U16, voilà, de chacun de ses expériences. De toute façon, toi, tu es gagnant parce que d'un côté, tu montres que tu es ouvert et que tu fédères. Et d'un autre, l'entraîneur des U10 qui vient te voir, il est hyper content de voir que l'entraîneur qui arrive pro ou qui est avec les pros, il vient lui donner des conseils, il vient l'observer. C'est valorisant. Le mec qui est en U10, aujourd'hui, on sait très bien dans les clubs amateurs que les entraîneurs dans les catégories très jeunes, bien souvent, ils sont soit pas payés ou un petit peu payés. Mmh. Et c'est vrai que si tu les calcules pas, les mecs, c'est compliqué quoi, de les investir. Ils le font à leur sauce. Si demain, toi, tu t'impliques... Parfois, on ne connaît même pas. Mais parfois, ouais. Parfois, ils ne se connaissent même pas. C'est ça qui est non, fort. Non, c'est... mais c'est vrai. Même, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est valorisant et on rejoint bien le côté projet-club. Et c'est bien souvent, si c'est stable, bon, le plus dur, c'est d'être très stable longtemps. Mais si c'est stable, souvent, ça peut faire des résultats. Et tu retrouves des jeunes que toi, tu as vu peut-être il y a 2-3 ans chez des 17 ans ou des 16 ans qui commencent à arriver vers toi. Je pense que tu en as quelques-uns dans ton équipe. Ouais. Et ces jeunes, ils sont hyper fiers et contents de se défoncer pour le maillot et pour le club. Ouais, ouais, tout à fait. Tu as combien de licenciés à Villefranche, Alain? Pardon? Combien de licenciés il y a à Villefranche? Ben là, avec, on a une structure aussi féminine qui commence à grandir. Avec les féminines, on doit être 650. Ouais, quand même. Combien de salariés au club? Combien de gens qui travaillent réellement, quoi, je veux dire, qui sont investis 100% ou 60%, 80%? Là, avec, parce qu'on a un commercial à temps plein et on a aussi une autre personne qui gère toute la communication. Mais on doit être 10 salariés. Avec voilà. Moi, j'ai fait admettre au président que j'ai toujours fonctionné comme ça. Je préférais peut-être avoir un joueur de moins salarié, mais avoir des éducateurs compétents en dessous à la formation. Et c'est un choix. Donc, l'idée, c'était au moins d'avoir un responsable de pôle. Après, moi, on a partagé l'école de foot, la préformation, la formation. Et j'ai un responsable de pôle à temps plein, voilà, diplômé. Et qui gère son équipe d'éducateurs en dessous. Et contrairement à peut-être à ce que les préconisations de la fédération, moi, j'ai voulu découper par foot, c'est-à-dire le foot à 5, le foot à 8 et le foot à 11. Et chaque responsable de pôle voilà, a sa responsabilité sur le foot à 8, sur le foot à 11, le foot à 5. Et après, on a créé juste une cellule un peu post-formation pour, voilà, pour ce qui est de l'équipe réserve où il y a beaucoup de jeunes et puis l'équipe des U18 voilà, où on est plus ensemble proche des seniors. Elle évolue à quel niveau l'équipe réserve, Alain? Ben là, c'était la difficulté. Elle était en R2, elle vient de monter en R1. Là. Voilà. Ouais. Donc là, tu essaies de rapprocher le niveau. Ouais, aussi. Ouais. Aussi les, les 19, 17, ils sont en quoi chez vous? Ben, ils étaient en 17 nationaux. On est descendu il y a deux saisons parce que je pense que le club n'était pas prêt. C'était beaucoup de. C'est un côté pervers, là, les 17 ans nationaux, je trouve, parce que ça a créé beaucoup de mouvements, parce que les gens viennent consommer les 17 ans nationaux, et une fois qu'ils ont fait une année, ils s'en vont. Et au final, je trouve que c'est plus rationnel d'avoir à la limite que des R1 et d'avoir un projet voilà, qui se construit, plutôt que de venir juste voilà, faire les 17 ans nationaux. Et une fois que... Si on n'a pas les 19 ans nationaux derrière, les joueurs pensent que ben, c'est dévalorisant de redescendre. Donc, ils vont ailleurs et on perd beaucoup de joueurs. On en fait venir et du coup, c'est tout un investissement pour la scolarité, pour garder les enfants le week-end pour jouer.
Et c'est très compliqué, très, très compliqué. C'est un leurre, hein. C'est un petit peu un leurre. J'ai connu ça aussi. En... Même pour la formation, quand on est un club comme Villefranche, pour lutter, pour se maintenir en 17 ans nationaux, c'est la bagarre et on en perd le fil de la formation. On est dans le résultat. Voilà. On est dans le résultat à tout prix après. Je suis d'accord avec toi, Alain, à 100%. Pour l'avoir vu. Tu crées des niveaux de consommation en faisant. Ben après, c'est bien de les avoir, mais c'est. Il faut avoir les reins solides pour le faire perdurer et quelque part se maintenir chaque année, on va dire aisément. Si c'est dans ce cadre-là, là, on a un vrai projet. Par contre, si c'est pour lutter chaque année ou descendre, remonter, voilà, avec toutes les complications que ça génère au niveau scolarité, au niveau. Parce que là, nous, on a la chance d'avoir la section sportive Jean Leroy. Qu'on a remis en route parce qu'elle était vraiment un peu à l'abandon. Là, maintenant, on a vraiment les jeunes du club qui sont en section sportive, seconde, première, terminale. Et donc, ça nous aide pour structurer, garder les joueurs sur place, voilà, avoir vraiment des joueurs locaux qui s'inscrivent et qui peuvent s'entraîner en journée. Et ça, c'est une plus-value pour le club, quoi. Donc, Toi, de ton évolution de coach, là, je parle purement terrain, est-ce que entre Bayonne, Boulogne et la Villefranche, est-ce que tu as évolué tactiquement ou est-ce que tu es resté sur tes idées de jeu et tu les as travaillées ou est-ce que tu t'adaptes aux joueurs que tu as ou au championnat? C'est comment tu vois le... Non, j'ai vraiment évolué. Moi, je pense que si je me voyais entraîner à Bayonne à tous mes débuts, je ne serais pas content de moi, je pense, parce que j'ai fait des bêtises comme tout le monde. Et quand on parle voilà, justement d'avoir peut-être des aides à un moment donné, d'éducateurs plus compétents ou de l'entraîneur de l'équipe première qui vient un peu aiguiller les éducateurs en dessous. Ben, voilà, peut-être qu'à un moment donné, j'ai fait des erreurs parce que peut-être j'étais un peu tout seul à me dépatouiller comme je pouvais et qu'on apprend un peu sur le tas. Mais forcément, il y a une évolution au fur et à mesure parce que d'un, en passant des formations, on s'améliore parce qu'on découvre d'autres choses, on échange avec d'autres coachs. Voilà. Après, j'ai toujours essayé de faire en sorte que, en tout cas, les joueurs prennent du plaisir à l'entraînement, prennent du plaisir en match, voilà, en jouant, en essayant de jouer du mieux possible. Alors, ça veut dire tout et n'importe quoi parce que le foot, on peut l'envisager de différentes façons. Hein. Mais disons que voilà, d'avoir une envie de relancer de derrière, de jouer au sol, voilà. Bon, enfin, voilà. Mais petit à petit, j'ai évolué sur notamment le choix des joueurs, sur les associations de joueurs, sur les profils, sur comment sentir le même football voilà, dans l'équipe. Voilà, c'est plus dans cette réflexion-là. Puis après, sur les systèmes, sur les déplacements. J'ai beaucoup appris aussi avec Stéphane Lemignan, voilà, à Boulogne, voilà, sur cette philosophie-là. Voilà, au contact des coachs, des différentes expériences, on grandit, hein, mais je pense qu'on grandit tout le temps et que le foot, il évolue aussi en fonction voilà, des joueurs. Les joueurs que j'ai connus, moi, à Bayonne, qui travaillaient, et puis les joueurs de maintenant, ne sont pas les mêmes non plus. Voilà, maintenant, on s'entraîne en journée, on est quasiment professionnel, c'est notre football aussi. Donc, mais même au niveau de la formation, je pense qu'on a beaucoup évolué. Encore une fois, avec ce qu'a imposé la Fédé, je pense qu'on ne s'entraîne pas. Moi, j'ai connu les files indiennes voilà, où on frappait une fois dans le ballon et on allait chercher son ballon dans les châchis et on revenait. On avait frappé deux fois en une demi-heure. Et maintenant, on parle de méthode globale. On parle de... Donc, voilà, ça a bien évolué dans son ensemble, je trouve. Les clubs sont structurés et on le voit, le niveau, même quand on voit en Coupe de France, on voit des clubs de N2 qui travaillent très bien, il y a des bons coachs, il y a une culture tactique, il y a même techniquement, même le niveau national. Moi, ça fait ma 12e année en national. Je peux vous dire que le national, il y a 10 ans en arrière où ça tamponnait, c'était très athlétique, il a quand même évolué dans le bon sens aussi à ce niveau-là. Oui, tu as plus de formation au-dessus, donc tu as plus de retours de joueurs qui descendent, des joueurs... Pro, tu en as plus en plus des jeunes. Donc, oui, puis la qualité des entraîneurs. Oui, la qualité des entraîneurs. Là, on va aborder un exercice que tu nous as proposé, donc qu'on va montrer aux téléspectateurs. L'idée, c'est pareil, que donc, je le montre, je le partage, tu l'expliques, et puis pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu recherches.
Après, on peut en discuter entre nous. Et je répète encore aux coachs ou aux gens qui regardent et qui sont téléspectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pourrai les poser après à Alain. Donc, je partage l'exercice. Hop. Donc là, vas-y, Alain. Non, mais c'est une situation de jeu que j'aime bien mettre en place, notamment en début de saison, pour expliquer aux... Notamment, il y a deux aspects dans ce jeu. Il y a l'aspect de savoir maîtriser le ballon sous pression pour les défenseurs qui sont en blanc, là, en l'occurrence. Et voilà, être capable d'avoir une assurance technique sur les sorties de balle, en se servant du gardien aussi au pied. Et donc, de pouvoir enchaîner voilà, une conserve, entre guillemets, avec les défenseurs et le gardien sous la pression de quatre attaquants. Et à l'inverse, pour les attaquants, essayer de chasser tout de suite, avoir cet état d'esprit aussi de chasser voilà, très fort dès l'entame d'une, voilà, d'une attaque pour l'adversaire, par exemple, et de récupérer, de se retrouver tout de suite en situation pour marquer, alors soit individuellement, soit sur une passe et enchaîner rapidement. Et pour les défenseurs, ben, à la transition offensive-défensive, aussi défendre rapidement son but, avoir voilà, une attitude défensive, défendre tout de suite le but. Voilà, c'est un petit jeu qui est à la fois quelque part intéressant pour les défenseurs, savoir si voilà, ils sont capables techniquement de garder une maîtrise sous pression. Pour les attaquants de se retrouver, on sait que la surface de vérité, malgré tout, il y a beaucoup de buts qui sont mis dans la surface. C'est avoir les gestes appropriés voilà, dans la surface, soit une touche, soit une passe et un contrôle orienté. Voilà, j'aime bien ce jeu en début de saison pour montrer que je vais demander aussi aux défenseurs d'être capables de sortir le ballon, même sous pression. Voilà. Ouais, puis en plus, tu... Vas-y, Imad. Alain, tu intègres, tu as mis le terrain Ouais, là, je vois là l'idée, parce que, ouais, voilà, l'idée, c'était de partir avec deux attaquants. Là, moi, ça fait une saison et demie que j'ai changé un peu mon système. Je jouais beaucoup en 4-4-2, 4-2-3-1 avec un 10. Et là, depuis une saison et demie, je suis passé avec une défense à 3. Et donc, on joue avec deux attaquants. Alors après, l'articulation du milieu, c'est soit 2-10-1-6, soit un 10 et 2-6, quoi, ou 2-8. Et donc là, l'idée, c'est d'associer deux attaquants avec peut-être deux milieux en dessous, ou alors ça peut être aussi les pistons qui peuvent venir chasser. Bon, voilà, j'articule un peu en fonction des postes, voilà, pour que tout le monde soit impliqué en rotation, quoi. L'objectif que tu, en fait, c'est un objectif purement défensif pour pouvoir ressortir le ballon sous pression. On est d'accord. C'est ça, mais en même temps. En même temps, les attaquants aussi, ils ont un objectif voilà, d'être capable de récupérer le ballon, de chasser ensemble, même en infériorité. Et eux aussi, d'avoir cet instinct du but tout de suite à la récup dans une surface où il y a du monde, où il y a de la densité. Voilà, il y a un double objectif quelque part. Alors après, souvent, ce qu'on fait avec mon adjoint, on se partage les rôles. Et, par exemple, si moi je veux insister sur l'aspect défensif de la sortie de balle, ben, moi je prends les défenseurs et mon adjoint prend les attaquants. Mais comme ça, ça permet d'animer en même temps les deux équipes, quoi. Et il y a un côté réaction aussi qui est pas mal. C'est avec là, par exemple, les LAS sur le cas, tu vois bien, c'est les défenseurs qui, comme il dit, en supériorité, l'objectif c'est qu'ils maîtrisent sous pression, sachant qu'ils sont quand même 8 contre 4 avec le gardien, 2, 4, 6, 8. 7 contre 4. Avec le gardien, 8. Contre 4. Donc, du coup, normalement, ils doivent réussir à le conserver s'ils sont assez à l'aise techniquement et s'ils bougent bien. Mais c'est intéressant, c'est que si les attaquants, à un moment donné, sur le pressing, arrivent à choper le ballon ou à le sortir, la réaction, c'est à partir du moment où les attaquants l'ont sorti, l'entraîneur, il réagit tout de suite en le donnant à un attaquant disponible. Donc, du coup, tes défenseurs, au lieu de se prendre la tête et de dire c'est toi, c'est machin, là, ils n'ont pas le choix. Ils doivent se reconcentrer tout de suite sur une phase très défensive alors qu'ils étaient en une conservation. Donc, c'est, vous le vivez le week-end d'un championnat sur des erreurs de défenseurs, sur des contres. Donc, c'est super intéressant. Là, tu travailles cette partie-là aussi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce qui est super intéressant, c'est que les attaquants sont dans la zone de vérité. C'est ça. Et bah, tu sais ce que c'est.
L'endroit tu sais ce que c'est. Ouais. Donc, non, mais voilà, des fois, là, il peut y avoir juste voilà, une demi-seconde ou un demi-espace pour frapper ou pour. Voilà, il y a un ballon qui rebondit, il faut la mettre au fond parce que sinon, voilà, c'est un peu l'idée aussi là, pour les attaquants d'avoir tout de suite cet instinct du but. Et, oui, de savoir aussi, où je récupère le ballon, où je suis. L'image du gardien, ça, la distance, c'est très, très important pour un attaquant ou un milieu offensif. Et puis, ça permet aux attaquants d'enchaîner vite aussi avec un certain temps. Oui, et puis avoir l'image, toi. C'est important d'avoir l'image, pas forcément, on sait le but où il est. Hein, Les repères. Ça traîne souvent. Il bouge pas, puis l'évolution de cet exercice, elle est facile. Quoi. Tu peux en faire plein. On peut limiter les touches des défenseurs pour les mettre encore plus en difficulté pour que les attaquants récupèrent peut-être plus de ballons. Voilà, on pourrait presque transférer aussi pour une autre équipe à partir d'un nombre de passes pour de l'autre côté un but pour d'autres attaquants aussi. Il y a des tu peux doubler la surface. Même la surface. J'ai une question, Alain. Dans cet exercice-là, qu'est-ce qui gagne? Tu vois beaucoup de buts ou pas tant que ça? Non, pas tant que ça. Tu vois, paradoxal. Ouais, pas tant que ça. Donc, tu as de très bons défenseurs. C'est plutôt c'est ça qui est surprenant, c'est que les défenseurs, ils s'imaginent, quand ils voient le départ du jeu, ils se disent ça va être très compliqué, on va perdre le ballon. Tu as vu où tu es, Alain? Tu es dans les 18 mètres. Ouais, c'est ça. Pour un défenseur, Et je leur dis, vous voyez que quand même là, dans un espace aussi réduit, le nombre de passes que vous arrivez à faire, et du coup, en sortie de balle, quand vous avez tout le terrain, vous voyez que normalement, il y a matière à pouvoir sortir les ballons. Donc, c'est pour sortir proprement. Ouais, c'est ça. De toute façon, on est d'accord, les gars. Je pense pour la plupart que dans tous ces jeux-là, souvent, la défense un peu prend le dessus sur l'attaque. Après, ça représente bien le match puisque ils auront peut-être 2, 3, 4 situations de marquer et peut-être qu'il n'y en aura qu'une qui va aller au fond. Quoi. Donc, ça représente bien ce qu'on a dans les week-ends. Quoi. On est d'accord? Oui, bien sûr. Alors, j'ai des questions. Ouais, non. Alors, vas-y, si tu veux jouer. Voilà, j'aimais bien faire participer le gardien au pied aussi, parce que du coup, lui aussi, ça l'implique dans ses choix de sortie, d'être capable, même lui, sous pression. Donc, ça le fait travailler au pied aussi, parce que maintenant, on s'aperçoit que le jeu au pied, il est important aussi pour le gardien. Donc, Et tu accentues la supériorité en plus. Oui. Ça permet de ressortir plus tranquillement. Bon, moi, j'ai une question là de Jérémy Thomas. Donc, bonjour à tous. Je suis éducateur dans un club de U16 dans la Nièvre en formation BEF. Je partage tout ce que vous venez de dire en ce qui concerne le projet club et c'est la principale problématique que nous avons, je pense, à l'échelle amateur en France. Concernant le projet de jeu de M. Pochat, essaie-t-il de développer via des réunions techniques et temps d'échange avec les éducateurs certains principes de jeu qu'il affectionne dans son club pour les équipes de foot à 11 ou à 8? Est-ce que tu conseilles ou est-ce que tu laisses? Non, nous, après, moi, je l'aurais proposé, je l'aurais suggéré, voilà, qu'il pouvait y avoir une cohérence, notamment parce qu'on est parti sur un 4-4-2. Parce que j'ai expliqué que, par exemple, la denrée rare qu'on cherche tous, c'est les attaquants. Et que quand on joue tous en 4-1-4-1 et qu'on met qu'une seule pointe, on divise la possibilité par deux de trouver des attaquants. Donc, et je me disais que c'était rationnel par rapport au poste aussi, qu'on allait avoir, entre guillemets, la possibilité d'avoir tous les postes dans le foot à 11, que ce soit des latéraux, des excentrés, des attaquants, des milieux. Et donc après, c'était d'identifier par rapport à ce système, quels sont les profils qu'on avait envie de rechercher. Moi, j'aimais bien avoir des excentrés assez larges dans le jeu, des latéraux qui au départ étaient plutôt bas et ne venaient pas haut. C'était une animation un peu différente. Donc, on en a parlé, on a échangé là-dessus. Sur le foot à 8 aussi, est-ce qu'on partait sur un 3-3-1 et du coup, on mettait plus qu'un joueur par ligne pour que ça fasse un 4-4-2 et ça paraissait cohérent aussi dans la projection pour du passage du foot à 8 au foot à 11. Et donc, on commençait à avoir des repères sur les lignes de 3 et puis après, les deux lignes de 4 et un attaquant supplémentaire.
Donc, moi, j'ai suggéré tout ça. Est-ce que les éducateurs avaient envie? Voilà. Ça n'a pas empêché que dans la saison, s'il y avait un éducateur qui voulait jouer en 4-1-4-1, voilà. Après, moi, comme enseignant aussi, je suis passé à 3 derrière. Il y a certains éducateurs qui ont voulu aussi étudier aussi ce système tout en gardant les profils de joueurs qui pouvaient être quand même adaptables. Et puis, ça permet aux joueurs de connaître d'autres systèmes aussi, de pouvoir… peut-être s'exprimer un peu mieux, peut-être pour un joueur, je ne sais pas moi, piston droit plutôt qu'excentré, ou à deux attaquants plus un 10, ça fait une formule encore plus, voilà, où il faut travailler sur les associations de joueurs, les combinaisons à trois quasiment, puisqu'il y a un 10 et deux attaquants. Est-ce qu'on a un profil point d'appui avec un joueur de profondeur? Moi, j'ai suggéré tout ça et les éducateurs ont adhéré. Et on a parlé des animations, des sorties de balles, comment on pouvait faire, les déplacements. On a travaillé ça en réunion technique. Moi, j'ai montré ce qu'on mettait en place au niveau des seniors. Après, ils se l'approprient. Ils cherchent des exercices aussi par rapport à ça. Si on doit recruter un ou deux joueurs, on essaye d'être cohérent sur les profils. Parce que quand je suis arrivé, il y avait des équipes, il y avait 10 défenseurs, il y avait 2 attaquants. Et ce n'était pas cohérent. Et donc, ils complétaient les joueurs à certains postes par défaut et pas forcément par rapport à un système et par rapport à des associations de joueurs et que ça soit cohérent et de projection en projection, d'année en année, que les joueurs s'y retrouvent et que on n'aille pas chercher d'un seul coup 6 joueurs parce qu'on s'aperçoit qu'il nous manque 3 attaquants, il nous manque, mais voilà, qu'on arrive à amener depuis le foot à 5 et ainsi de suite. Voilà, des générations et que ça soit cohérent en termes d'effectifs aussi, qu'on ne laisse pas sur le carreau tous les week-ends 10 gamins parce qu'on a un effectif de 30 sur une catégorie, que la catégorie suivante, il y a que 20 joueurs. Voilà, on a essayé d'être rationnel sur les générations par année d'âge parce que, en fait, là aussi où j'ai été confronté, c'est que la Ligue Rhône-Alpes, contrairement à la Ligue Hauts-de-France, elle travaillait sur 2 années d'âge. Il n'y avait pas par génération. Et là, c'était très compliqué. Par exemple, en U15, les U14, ils jouaient contre des U15. Et quand tu as bougé avec des équipes, la Duchère, où il y a des garçons très, très athlétiques. Et mes pauvres U14, parce que nous, on travaillait par année d'âge, ils souffraient énormément. Alors là, ça est en train de se rétablir parce qu'ils ont travaillé par année d'âge, mais c'était compliqué au départ. Oui. J'ai une autre question, alors c'est par rapport à l'exercice, de Pechera Buana Moisi. Alors, j'ai une question, pourquoi il n'y a pas de marquage individuel sur l'exercice vu qu'il y a le surnombre de défenseurs? Donc en fait, je pense que là la question c'est parce que il se dit, si je le fais, moi si j'étais joueur, je ferais un marquage sur les 8, sur les 7 joueurs, il y en a 4 qui se mettent au marquage attaquant, on gagne. Et voilà, explique pourquoi Au départ, c'est les défenseurs qui ont le ballon. Donc, il y a un temps de réaction qui permet aux attaquants, même en étant en supériorité pour les défenseurs, en étant aussi proche du but, de pouvoir marquer. Même on s'aperçoit que des fois, il ne suffit pas d'être en supériorité pour marquer. En général, dans la surface, on est souvent en infériorité, les attaquants. Surtout qu'ils sont pour faire la conservation. Du coup, les défenseurs sont obligés de s'écarter de leur attaquant pour se donner des solutions de passe. Ils occupent l'espace. Et après, c'est le temps de réaction. Donc il faut bien, donc pour Pechera, il faut bien penser, la balle au départ c'est pour les défenseurs, d'accord? C'est ça. C'est sûr, si tu donnes aux attaquants, voilà, il va y avoir des soucis, ça va être facile. Ça va être plus compliqué. Alors, malgré que chacun a un système préféré, M. Pocha, confirme-t-il que l'on fait avant tout avec les qualités des joueurs à dispo et donc c'est devoir délaisser des principes? Est-ce que tu fais vraiment qu'avec les joueurs de dispo, tu t'adaptes ou tu es capable de modifier certains joueurs, de leur montrer qu'ils peuvent faire autre chose? Après, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que quelque part, je pense qu'il y a des joueurs qui peut-être au départ étaient avec une optique de, je dis une bêtise, de jouer latéral droit. Puis après, on va s'apercevoir qu'au cours de sa formation, il va être à l'aise plus haut excentré ou qui peut être excentré à gauche, faux pied, rentré et avoir une qualité différente ou être dans le cœur du jeu au milieu. Moi, je pense que dans la formation, si on fige tout de suite, on imagine en foot à 8, le joueur, on l'a figé latéral droit et il n'évolue pas ou il ne peut pas être
voilà, s'exprimer peut-être dans d'autres postes, c'est à l'éducateur. Après, c'est pour ça que la relation entre les éducateurs, elle est très importante pour communiquer sur le ressenti. Et peut-être qu'un éducateur sur une catégorie au-dessus, il va avoir un autre ressenti. Est-ce que... Mais tout ça dans l'idée de faire progresser le joueur et le gamin, quoi. Après, je pense que, bien sûr, qu'on s'adapte à l'effectif que l'on a, mais je pense que le système, c'est juste une histoire d'animation. C'est... Après, c'est les joueurs, si on leur fait comprendre qu'ils jouent ensemble et que voilà, on fait les déplacements ensemble, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon, qu'est-ce qu'on fait quand on ne l'a pas. Après, tout le monde y trouve son compte quand même, malgré tout, je trouve. Sur une préparation, tu travailles sur deux systèmes ou tu t'en gardes juste un et c'est juste l'animation que tu fais évoluer? Après, là, par exemple, cette année pour l'équipe senior, moi, je suis parti sur le système que j'avais utilisé en fin de saison dernière à trois défenseurs. Par contre, il est évolutif, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que peut proposer l'adversaire, comment on peut, contrer l'adversaire. Parce que souvent, moi, j'ai rencontré ça cette année, c'est que beaucoup d'équipes s'adaptent à ton système. Parce que maintenant, tous les matchs sont étudiés, il y a la vidéo… Donc, ils connaissent ton système, ils connaissent comment tu fais tes sorties de balle. Donc, après, c'est trouver des parades à ça. C'est est-ce qu'il y a des mouvements de joueurs qui peuvent permettre, suivant l'adversaire, ce qu'il propose. S'il se cale sur ton système, il joue à 3 et il veut essayer de te contrer par rapport à ça, ben, peut-être que du coup, moi, j'articule pour qu'on repasse à 4 en cours de match, mais sur une sortie de balle, voilà, en fonction de ça. Je trouve que c'est, encore une fois, c'est l'intelligence collective qui doit primer sur comment mettre en difficulté l'adversaire, comment et avoir quelque part plusieurs, comme un couteau suisse, quoi, être capable de sortir tel ou tel élément en fonction de… on étudie beaucoup tous les systèmes qu'on peut rencontrer dans la saison. Alors, je leur dis, si on joue à 3, moi, je prépare ça sur des animations d'abord sur… que je passe sur la vidéo. Après, on le travaille à l'entraînement et puis en fonction. Donc, du coup, on essaye d'être prêt à ça. Mais après, bien sûr que l'adversaire, il est là pour nous poser des problèmes. Donc, Est-ce que vous avez un analyste vidéo dans le club ou pas? Avec mon adjoint, on n'a pas les moyens d'avoir un analyste vidéo. Mais à force, maintenant, je commence à… Dans les 20 joueurs, Alain. Comment? Ouais, c'est ça. 20 joueurs. On va jouer à 6. Alain, je ne sais pas si tu n'as pas pensé à un staff, parce qu'il y en a beaucoup, des stagiaires, parce que tu en as beaucoup qui sont demandeurs. Là, ces derniers temps, j'ai vu pas mal de stagiaires qui sont demandeurs pour les montages, on va dire. Exact. Oui. Après, bien sûr, c'est toi qui fais l'essentiel. Disons que c'est compliqué pour avoir la fibre du découpage. Et oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut ressortir du découpage? Et ça, c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est là maintenant avec mon adjoint, parce que par exemple, à Villefranche, là, on va attaquer la quatrième saison. Il commence à… il sait très bien maintenant, à force de tous les échanges qu'on a, des entraînements, de l'adversaire. Maintenant, il sent ce que je veux ressortir d'un montage, que ce soit de notre équipe ou de l'adversaire. Il sait ce que je veux dans le montage quand on prépare un match. Il sait ce que je veux ressortir d'une équipe, de son animation offensive, de son animation défensive. Après, c'est vrai que du coup, c'est pas toujours simple quand on prend quelqu'un qui découvre un peu le métier, qui connaît pas l'équipe, qui connaît pas le fonctionnement du coach. Et faire un montage, après, est-ce qu'il va ressortir les mêmes choses que par exemple, j'aurais ressorti? C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Donc, on passe du temps, on fait de la vidéo, mais je trouve que ça permet aussi d'avoir une réflexion, même sur ces séances, par exemple, d'avoir analysé l'adversaire, d'avoir analysé son match qu'on a vécu le week-end. Ça permet d'avoir une réflexion sur, tiens, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux mettre en place à l'entraînement? Pourquoi là, tiens, l'adversaire, ce qu'il a fait, comment je peux le contrer? C'était pas mal, attention, il a tel point fort. Et je pense que d'analyser les matchs, c'est un atout supplémentaire dans la préparation des séances, dans tout ça, quoi, ou la préparation du match. Je te le glisse, mais je l'ai déjà dit, dans Coach Adjoint, ça va arriver cette partie-là, en fait. Et on s'associe avec trois logiciels qui permettent justement de faire l'analyse vidéo et d'importer des vidéos, etc. Donc, ça arrive prochainement.
Question un peu, il y a une dernière question concernant l'exercice, mais ça, c'était concernant, est-ce que cet exercice, on peut le faire dans toutes les catégories? Oui, moi, je. Après, bien sûr qu'il y a des paramètres à prendre en compte sur l'espace. Peut-être pour certaines catégories, il faut agrandir l'espace parce que techniquement, peut-être, c'est en fonction du niveau du groupe que vous avez aussi. Parce que là, la densité, elle est très forte. Donc, techniquement, je pense qu'il peut y avoir du déchet. Alors après, est-ce qu'on veut travailler les attaquants et que les défenseurs sont en difficulté techniquement? Donc, du coup, ça met en valeur les attaquants. Voilà, en fonction du niveau du groupe, en fonction de l'espace. Mais je pense qu'on peut l'adapter, oui. Oui, moi aussi, je pense à toutes les catégories. Ouais. Et alors là, on va aborder un petit sujet qui fâche pour nous, les coachs comme toi. C'est vrai, c'est frustrant, on le sait très bien, mais au vu du nombre d'années que tu as faites en national, ça fait combien d'années en national que tu es coach maintenant? Mais là, je vais attaquer ma 12e saison là, en national. Donc, 12e saison, tu as fait combien de montées donc, déjà, combien de montées de CFA en national? 3. Trois montées de CFA national. Tu as fait des beaux parcours en Coupe de France. C'est quoi tes parcours pour dire tu es arrivé en quoi à chaque fois? Ah, ben, on a fait 2 huitièmes, 1 avec Bayonne, ben, 2 fois le PSG au Parc des Princes avec Bayonne, 1 huitième ici au Parc OL avec Villefranche. Après, on a fait plusieurs 32e, dont un voilà, contre l'OL à Jean Daugé au stade de rugby. On a fait un quart de finale contre Saint-Étienne voilà, avec Stéphane Lemignan. Voilà, plusieurs 32e, c'est des parcours voilà, qui donc sont intéressants pour un club parce que, ouais. Aujourd'hui, ton CV il est bien rempli quand même avec de l'expérience. Tu le mets ça quand tu l'envoies pour être pris pour le DEPF ou pas? Ah ben, ils nous demandent un CV, ils nous demandent un dossier complet voilà, pour expliquer notre parcours et puis pourquoi on veut passer le BEPF. Après, on a 15 minutes de présentation, voilà, parce que les tests de sélection, il y a 15 minutes de présentation, 15 minutes de derrière, au total 30 minutes, 15 minutes de débat avec les personnes qui sont là pour statuer. Puis après, on tire au sort un sujet. Bon, l'année dernière, je pensais avoir tiré le super sujet puisque... On m'avait dit, votre équipe défend bloc bas, voilà, faites une séance. Donc, on a 30 minutes pour faire la séance. Et ben, moi, l'année dernière, s'il y a bien un match que j'ai joué bloc bas, c'est contre Paris. Quoi. Oui, bon exemple. Donc, c'est clair. Donc, voilà, on avait voilà, pas pris de but. Donc, quelque part, c'était déjà un moindre mal parce qu'on avait peur d'en prendre comme au boule. Hein, quand on joue au parc, well, on se gratte la tête quand même. Donc, donc voilà, non, mais bon, voilà, après c'est un peu. Donc là, ça fait combien de fois que t'es refusé? Là, je vais passer pour la 4e fois. Là. Donc là, bon, nous, on commence à avoir du monde. Je te dis, l'émission fait 10 000 personnes. Donc si on fait des pétitions, je pense qu'on peut t'aider. Hein, s'il y a besoin. Non, là, on en rigole, mais c'est vrai que c'est autant un coach qui débute, qui voudrait aller au DEPF, qui n'a pas d'expérience, qui c'est dur à justifier, qui veuille ce diplôme. Ça se comprendrait. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est... Imagine-toi, dans ta position, avec ton CV, tu n'y arrives pas pour l'instant. Imagine les coachs qui rêvent de l'avoir ou d'y participer. Et c'est même pas la peine qu'ils s'inscrivent, à part s'ils ont bien sûr le téléphone de la bonne personne, mais bon. Il n'y a que 10... Alain, tu me dis si je me trompe, mais je pense que sur le DEPF, il n'y a que 10 places, c'est ça? C'est ça. Mais à chaque fois, on est 40. Moi, à chaque fois que je l'ai passé, on était 40 et ils en prennent 10. Donc... C'est sûr que l'entonnoir est très, très serré. Bon, si vous êtes 40 au bout de 4 ans, je pense que c'est bon. Hein. T'es dans les clous. Ouais, ben... Ah oui, ça devrait être bon. Ah, mais au bout de 5, ils donnent. Ouais. Non, mais moi, j'ai envisagé de le faire par VAE, donc ouais. Bruno Luzzi. Oui. Voilà, après, ouais, j'avais croisé les responsables de la formation la dernière fois. Je leur ai dit, ben, est-ce qu'il faut que je le fasse par la BAE? On m'a dit, non, représente-toi cette année. Donc, bon, on verra bien. Mais... Non, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais ben oui. Ouais, je ne lâche pas l'affaire. Hein. Je lâche pas l'affaire. Ouais, et donc là, on aborde la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi tes objectifs, toi, sur la durée? En tant que soit entraîneur, soit même sur la durée, peut-être passer directeur sportif ou en charge d'un projet
mais sans être le coach à première, ou même à l'étranger. Je ne sais pas, c'est quoi tes objectifs à long terme? Est-ce que Villefranche est potentiellement un candidat à la montée, et est-ce que c'est possible? Est-ce que ça tient la route? On voit cette année Pau et Dunkerque qui montent. Ouais. C'est vrai que même Chambly, on a beau dire, mais Chambly aussi, c'est quand même au départ une anomalie de les voir en Ligue 2 quand on connaît l'historique du club ou le contexte. C'est des clubs qui sont un peu des anomalies quand on voit derrière des clubs comme Laval pour l'instant qui n'arrivent pas à remonter. Donc après, c'est vrai que sportivement, il y a des choses qui peuvent être faites avec des budgets très limités. On s'aperçoit que c'est là que je dis qu'il y a beaucoup de coachs qui travaillent bien, parce que ça prouve que même avec des budgets moyens, on peut arriver à sportivement à faire des choses intéressantes. Après, est-ce que c'est viable sur la durée, économiquement parlant, au niveau des infrastructures, au niveau de la mairie, au niveau de tout ça? C'est là-dessus où des fois les clubs peuvent être fragilisés. Moi, je pense qu'il y a un potentiel à Villefranche parce qu'il y a un tissu économique assez fort autour de Lyon. Nous, on a 450 partenaires. Il y a un gros tissu économique parce qu'on fait partie de la banlieue, entre guillemets, les à côté de Lyon. Il y a beaucoup de sociétés. Il y a un stade qui peut être aménageable assez facilement puisqu'on a été visité par la LFP à l'époque parce qu'on était troisième. Même pour la Ligue 2, tu penses que… Ah oui? Ouais. Ouais, là, par rapport à… Là, nous, on a eu la visite de la LFP. Ils nous ont donné les éléments qu'il fallait modifier. Bon, il y a toujours vidéo-surveillance. Il y avait l'éclairage à changer. Il y a des aspects uniquement de rajout de quelques éléments pour les journalistes, des choses comme ça. Pour être aux normes. Pour le mettre aux normes. Mais ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas comme… des fois, il faut reconstruire un stade ou il faut vraiment modifier beaucoup de choses. On a la chance d'avoir la mairie qui aide vraiment le football. Le maire vient à tous les matchs. Ça, c'est un atout important. Moi, je l'ai vécu à l'inverse sur Bayonne où le rugby était tellement le sport roi que le foot, il le voyait d'un mauvais œil. Donc, on n'était pas forcément aidé. Là, on sent qu'il y a une embellie. C'est sûr qu'après, les droits TV aussi aident à structurer le club. Quand on arrive à mettre des infrastructures, si on ne met pas tout l'argent, entre guillemets, sur les joueurs, mais qu'on arrive à créer des choses autour du club pour qu'il se structure, pour que ça soit viable sur la durée. C'est une ville assez importante. Maintenant, il faut y arriver. Ce n'est pas simple. Il y a d'autres candidats. Non, mais c'est vraiment encore une fois un coach Alain Pochat. Ça fait plaisir encore une fois de recevoir un profil comme le tien. Jusqu'à maintenant, toutes les émissions, on a eu plein de profils différents. Les gens, je pense, apprécient d'écouter, d'entendre que tu es accessible. Tu es le premier à t'investir dans le club avec les équipes de jeunes et tout ça, et montrer que on n'est pas intouchable et qu'on peut participer à tout. Donc ça, c'est un très bon point. On te remercie d'avoir participé déjà à cette émission, c'est assez récent. Et puis, encore une fois, je remercie tous les téléspectateurs, parce que là, il y a de nombreux téléspectateurs qui sont là. Donc ça, c'est super, continuez comme ça. Et je le dis pour anticiper, donc les prochains rendez-vous, il y a beaucoup de coachs. Il y a encore demain, c'est Luis Satora, qui est coach aux États-Unis. C'est pareil, une super histoire, une super aventure. On va découvrir le football américain, le soccer américain, et c'est vraiment un autre monde. Et puis, il y a plein de coachs qui arrivent derrière avec normalement Franck Hez, donc du club de Lens. Il y a Frédéric Hans, il y a Pierrick Lebert, Dimitri Lipov, Patrice Neveu, Laurent Di Bernardo, Olivier Quin, tout ça. Donc, plein de coachs, Xavier Collin, qui vont venir, participer à l'émission. Et on espère que ça plaît et il faut continuer comme ça. En tout cas, merci Alain. Je remercie toute l'équipe. Merci. Merci à vous pour l'invitation et encore longue vie à cette émission parce qu'elle est vraiment sympa. Et merci aux coachs qui sont là aussi, qui posent les bonnes questions. Et bon courage à vous pour la suite. Et je vais suivre l'émission avec plaisir. Bon courage à toi, Alain. Bon courage, Alain. À plus. Bonne continuation. Salut tout le monde. Garçon, prenez soin de vous. Salut. Tout le monde. Ciao.